Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au stream de ce soir. Donc ce soir, on continue à jouer à Black Ops Cold War, sauf que on va faire quelque chose de nouveau que j'ai pas essayé encore, c'est-à-dire la campagne solo. J'ai entendu des bons commentaires, donc on va y aller en gang, on va faire ça ce soir, puis on va essayer de se rendre là, le plus loin possible, quitte à continuer lors d'un autre stream. Mais avant tout ça, on va débuter avec notre capsule cocktail de la semaine. Donc, le cocktail de cette semaine, c'était une thématique de Pâques et c'était la sauterelle. Bon vidéo! Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule cocktail de cette semaine. Cette semaine, thématique Pâques, donc qui dit Pâques dit chocolat, va dire également couleur pastel. Et cette semaine, j'ai un drink qui va remplir parfaitement ces deux conditions-là. Et je vous présente la sauterelle, de son terme anglais grasshopper. Donc, la sauterelle est un cocktail qui aurait été inventé en 1918. Dans un bar du quartier français de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Ça a été surtout popularisé dans les années 50 et 60 dans le sud des États-Unis. Pour faire une sauterelle, la recette officielle, on a besoin d'une once de crème de cacao blanche, une once de crème de menthe verte et une once de crème. Aujourd'hui, on va faire une petite variante de tout ça. Donc, on va quand même utiliser la crème de menthe verte, qui est vraiment la base de ce cocktail-là. Crème de menthe verte, je dirais que la majorité des gens ont ça à la maison. La plupart des gens vont la prendre sur glace en digestif, mais il y a également moyen de faire de bons cocktails avec ça. L'autre produit qu'on va utiliser dans notre variante d'aujourd'hui, ça va être du crème à glace. Donc, la crème à glace, c'est une boisson alcoolisée à la crème. Ça a un goût de vanille. C'est un produit québécois qui est extrêmement délicieux. C'est un de mes chouchous. C'est un produit qui est assez récent, donc ça se peut que vous n'en ayez pas encore entendu parler. En gros, si vous aimez la crème molle à la vanille, vous allez adorer ce produit-là. C'est un cocktail qui va être shaké, la sauterelle. On va mettre ça dans un verre avec un petit volume, parce qu'on n'a pas beaucoup de volume là, de cocktail. Donc, une coupe à martini ou une coupette, petite coupette, ça va être idéal pour ce cocktail-là. Donc, passons à la recette. On va débuter par 2 onces de crème à glace. Et de 1. Et de 2. On poursuit avec une once de crème de menthe verte. On envoie tout ça au shaker. Déjà la couleur que ça donne, ça semble délicieux. Donc on amène ça dans notre verre, double filtration si possible. Éviter les amoncellements de glace qu'il y aurait pu avoir. Regardez-moi la couleur de ça, c'est-tu pas merveilleux? Ça va en rester encore. Et voilà. Donc la recette originale contenait de la crème de cacao blanche. Nous, on va ajouter un soupçon de poudre de cacao comme décoration. Donc vous pouvez utiliser la poudre de cacao qu'on retrouve dans à peu près n'importe quelle épicerie. Tu sais, c'est une petite quantité avec une autre passoire. Et
je vais saupoudrer doucement mon cocktail, une petite partie comme ça ici. Et voilà. Vous avez une sauterelle. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à les écrire. Et également, si vous voulez publier des photos de vos cocktails, que je puisse avoir un coup d'œil, vous pouvez utiliser Instagram, publier-les sur Instagram, taguer la chaîne Gaming Cuisine et Cocktails, comme ça je vais pouvoir les voir. Puis sinon, ben, on se dit à la semaine prochaine. Joyeux sport tout le monde. Santé! Donc, on va débuter avec un petit chin. Et voilà, j'ai refait la sauterelle. Toujours aussi délicieux du crème à la glace, là, pour vrai. Je fais bien des blagues avec ça, là, mais la crème glacée à vanille, si vous aimez ça, la crème molle, là, c'est parfait pour ça. Donc, débutons sans plus tarder avec Black Ops Cold War. Bon, pourquoi que j'ai un écran noir? Ah, voilà. New game. Oui, effectivement. Bon, on va regarder. Recommend for player. Regular. Arden. You will not survive. Je suis peut-être pas rendu là. Bon, est-ce qu'on devrait faire regular ou ben Arden? Bonne question. Vous autres, les gens dans le chat, vous en pensez quoi? Je pense que je vais y aller avec Regular et être sûr de question d'avancer, là, pas passer une demi-heure dans le même tableau parce que je me fais tuer tout le temps la même fois. Là. C'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai jamais fait. J'ai vu quelques images ici et là. Mais c'est tout. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous. We must realize that no arsenal or no weapon in the arsenals of the world is so formidable. Si jamais il y a des problèmes pour le son, comme d'habitude, faites-moi en part. Let that be understood by those who practice terrorism and prey upon their neighbors. Some U.S. intelligence analysts believe America is already in a state of war with the Soviet Union. Are Soviet spies living among us? 52 American citizens have been taken hostage at the American embassy in Tehran. An unnamed White House official claims that a Cold War disaster could be just around the corner. Mr. President, we have two names linked to the hostage situation. Arash Kadavar and Kasim Javadi. Just give the word. It's time to send a message. There will be no more hostages. You sure we can trust the police, Adler? This guy's done more for less. He'll look the other way. Parce que si on se fie juste à la musique, ça va être excellent. Adler, glad you could join us, Hans. You remember me? We cleared a move on a target. Kasim is in his apartment, but he's well protected. I can keep my men out of the area for 15 minutes. I hope you brought an army. We brought enough. Pleasure doing business with you.
Come on. Woods is itching for a dust up. We don't want to let him down. Donc dans les jeux, ça c'est juste après Black Ops 1, peut-être Black Ops 2. Donc les personnages de Mason et de Woods, c'est des personnages qu'on a déjà vus. Bon. Fait que je peux pas courir encore. Là, je peux me promener un peu partout. Probablement qu'il va y avoir un... MP5, 1000 nano for grip. Ah non, c'est avec un MP5. Dipshit probably thinks he's safe. That piece of trash has a lot of things. It's safe, ain't one of them. Tab to view your current. Donc à travers le jeu, il y a tout le temps des intel, des affaires particulières à ramasser. Je vais ramasser ceux-là que je puis voir directement, mais je me mettrai pas à aller voir dans tous les coins pour voir s'ils sont là. Oh, commence à avoir un peu plus de monde. Bon, ils peuvent pas s'en charger, merci. En haut, peut-être. Ok, sortons ici. Take down system, enemy shade, mini grab. E for human shield. Ah, ouais. Ok. C'est pas utile ça, bon, c'est fait tuer. Ok, je peux enfin courir. Si je passe en dessous ici. Trafic. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le tuer, lui. Ma grenade s'est pas rendue, bon ça y est. Oui, il va falloir que j'avance un peu là. Et maintenant je m'en vais ici. Oh, c'est un peu trash. Ok, c'était la cible qu'il fallait pas que...
Oups. Bon, on va reprendre ça. Bon, note pour moi-même, ne pas assassiner la cible. Ok, on poursuit. Probablement plein de place. Jump. Allons-y. En voilà deux. Bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Talk. F. Tell us where. I just handled the money. I have no idea where Arashi is. Oh. Mauvaise réponse. You Americans have rules. You have rules. You took hostages. The rules changed. On va jouer le. Nous, on va être le good guy. Tomorrow night. I swear I don't know. They only communicate with coded messages. C'est déjà un bout. Bon, parfait. On le capture-tu? On va le capturer, on va voir. Ah, on a complété un challenge. 18 heures plus tard. Kasim is out of the picture. How long before we get Arash? The team arrived in Turkey a few hours ago. They should be in position shortly. C'est quand même bien, mais je pensais qu'il y aurait plus de. Ben là, c'est sûr, c'est une petite mission. Hein. J'ai l'impression qu'il y aurait plus de choses à faire. Dans l'émission de Black Ops, entre autres, que j'ai faite, c'est beaucoup plus long que ça. Let's go find this shithead. Ah. XM4. Parfait, ça. Ça se prend bien. Follow Woods avec Adler. Allons-y. Ça me semble honnête. Surtout que dans le. Quand c'est. Ah. W.
C'est ça. Dans un joueur, là, ça nous indique vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, puis il y a beaucoup de saves, fait que ça donne une chance. Non. Shift. J'ai raté ça. Mon Dieu. Ok. Embarquons dans le truck. Ah, c'est pas celui qui voulait, ok. Allons-y. Bon, je suis désolé, gang. Je pensais que j'aurais eu un meilleur. En fait, j'ai juste attaqué le chauffeur finalement. Bon. RCXD. Une petite auto. Oh, j'imagine comment s'en aller dans l'avion avec ça. Accelerate, AD and steer, hold F shift to boost. Allons-y. Escape, close. Je pense qu'on l'a eu. Ah, c'est vrai. C'est pas fini. Bon, là, il faut dire aussi que la franchise Call of Duty, là, c'est toujours des affaires ultra impressionnantes aussi, là. Genre que justement, il y a un avion qui te fonce dedans, puis que tu t'en sors comme si de rien n'était, ou bien que. T'es au sommet d'un building qui s'effondre, puis tu t'en sors. Tu tombes en même temps que tous les étages, puis après ça, ben, tu te relèves sans égratigner. Hein. Un classique Call of Duty. Mais c'est ce qui fait que ce jeu-là est bon. T'as peut-être voulu finalement que je manque ma balle de sniper. Semblait que ça finirait de même. Hudson will want to hear about this. Let's sweep the tarmac for survivors and get to Langley. Y en a-t-il qui ont déjà fait cette campagne-là? Les gens dans le chat qui ont déjà fait d'autres campagnes de Call of Duty? 1943. Detailed information from the Manhattan Project was stolen from Los Alamos by the Russian spy known as Perseus. Pas toi, Anna. 1968, Vietnam War. Viet Cong soldiers, orchestrated by Perseus, attempted to steal an American-made nuclear bomb from a U.S. firebase. 5 days ago, while on a mission, we acquired intel that Perseus is in play again and planning an attack on the West. Perseus,
CIA's analysts consider him to be the single largest threat to the free world. Mr. Hudson, we're all aware of Perseus. We're also aware he's more myth than fact. I mean, personally, I think he's nothing more than the Russian boogeyman. General Haig, allow me to introduce the man best suited to respond to that. CIA clandestine special officer Russell Adler. He's one of the few people who even come close to capturing Perseus. Mr. Adler, why should we take this Perseus threat seriously? You don't have to, sir. Yeah, then a lot of innocent people are gonna die. Why do you say that? Sir. Every time Perseus has come into play, it's shifted the balance of the Cold War. After 13 years of silence, if he's active, something big is gonna happen. Something that will affect the free world. Monsieur Ronald Reagan. Sir, Mr. President. Sir, Mr. President. Mr. President, this is Jason Hudson and Russell Adler. I know their names. Who do you think approved their last mission? Is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Can you stop Perseus? We can, sir. I've already submitted the requisition for my team. Sir, their requests are highly irregular. Most likely illegal if the press gets a hold. What the hell are you talking about? You know who we are? Every mission we go on is illegal. Sergeant Woods, plausible deniability is the backbone of our work. Al, we're talking about preventing an attack on the free men and women of the world. Give Mr. Adler whatever he wants. Gentlemen. Adler, c'est comme dans les premières fois qu'on le voit, là, mais Hudson, Mason puis Woods, c'était les personnages principaux de Black Ops 1. There is no higher honor. And while few people will know of your struggles, rest assured, the entire free world will benefit. I know you won't fail us. This is Hudson. How long until we have a lead on Perseus? They're about to get started. Adler's in West Berlin. He should be at the safe house soon. Do you trust him? I'm not the one you should be asking, Black. What about his team? It's a strong group. He chased down Sims, Azalea, even pulled some strings to get Helen Park from MI6. We'll get them Mason and Woods soon. I'm not so sure about Park. She and Adler have that business from before. Of course he wants her there. And the new one? Bell? No, don't get me started. C'est tous des personnages dans lesquels on peut jouer en multijoueur ou sélectionner pour les zombies, les personnages qu'on a nommés là. First name, classified, classified. Ok, je peux-tu cliquer sur le... Ah ok, ça c'est mon nom. Bon. Allons-y. Classified, classified, required, bon, on va être dans le milieu, tiens, gender, c'est pas, military background, KGB, CIA, pour qui on pourrait bien avoir travaillé, on va laisser ça classé, oups, last checkpoint, social, non. Psychological profile. EDS time of. Bullet damage. Paranoia, lone wolf. Ah, il y en a beaucoup là. Initial speed, 3 times as long. Full movement speed. Explosive damage. Ammo capacity. Ça c'est correct, j'en ai souvent pas mal. Increase by 2, ouais, ça c'est pas pire. Speed. Ça, ça peut être bien. Health increase. Bon, pas tout de suite, pas avec le mode que j'ai là.
Pain flinch. Weapon kick. Rate of fire. Damage taken. Hip fire more accurate. No bonus apply. On peut y aller avec un no bonus apply là. On va laisser ça classifier là même. Parce que je pourrais en choisir deux. Ce sera pour une autre fois là. On va. On se donnera pas trop de facilité. F. Ouais, c'est ça. Confirm. Parfait. Confirmons cela. Bell, welcome to West Berlin. We've got a job to do. Mark. Adler. Bell. Ah, oh, j'ai oublié de spécifier si c'est un gars ou une fille. Pas grave, j'imagine qu'ils le mentionneront pas dans le jeu. Là. Écouter ce qu'ils ont à dire. Shit. Some part of me always knew that mission wasn't done with us. Pull up everything we've got on the attack and then run it past Bullard. She'll cross-reference it with MI6. We're looking for code names, encrypted transmission, Russian activity with NVA, anything that can be a lead. Good. Bell, this is where you come in. Someone high up wanted you with us in Nam. I needed you then, but I did. Now I need you again. Head to the evidence board. Retrace our steps through today. Anything that could give us a lead on Perseus. Ok, donc on va faire appel à nos souvenirs. Use the evidence board to select the next mission. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a autour ici, là, rapidement. Y a-t-il quelque chose que je peux... utiliser. Sur quoi j'ai pilé, moi? Quelque chose qui s'est ouvert là? Bon. Ça, je vais aller voir dans l'autre bureau rapidement. Puis après ça, on passe. Hein. Ok. Y'a rien d'autre. J'imagine qu'on va revenir à ces places-là à chaque fois. Use evidence board. To select the next mission, replay previous mission or examine evidence. When you see this icon... Fracture jaw. Nowhere left to run. J'imagine qu'on va faire celle-là. Next mission, c'est pas mal écrit next mission, allons-y. Examine evidence. Firebase, hit gang attack. J'ai vu là-dedans qu'il y a une certaine place qu'on peut retrouver des zombies, mais je sais pas où. Donc je chercherai pas nécessairement. Keeping one's open, not all. Allons-y. All right, Bell. We're going back to Vietnam. First time Perseus pinged our radar. It was late January 68. We were a joint CIA SOG task force embedded within the 3rd Marine Regiment near Da Nang.
Zog was there to sniff out Soviet activity. Word had it, Russian operatives were active in the region. Perseus had no known presence in Vietnam. That changed at Da Nang. Somehow, Perseus knew about Operation Fracture Jaw. Fracture Jaw? That one sure went sideways. We launched out of Camp Haskins. Yeah, I'll never forget that shit. Good. We want those memories. No details too small. A face, a name. We're looking for anything that can lead us to Perseus. This feels like looking for a needle in a haystack, in a field of haystacks. Maybe, but that needle's somewhere. Remember, we had a job to do. Fractured jaw. That one sure went sideways. Bell, it's time to wake up. It's crank time. Follow Adler. Stoner 63. C'est intéressant. Mais je vais garder mon M16. Hour. Frags. Pourquoi pas? TMR. TMR, c'est M16. Communication. Celle-là. Ça, c'est le bord, sûrement. Et allons-y ici à place. Camp Baskin, not leaving. Bah. Ouais, c'est toujours ce qu'ils disent au début des missions, puis finalement c'est le bordel. Et on est reparti pour un peu de musique. Hein. Jamie Staples Forever, bienvenue dans le stream. Content que tu sois là. Ça va bien. Est-ce que tu connais Call of Duty? Good, excellent. Il n'a pas joué depuis un bout. Bon. Je joue pas mal régulièrement, mais ça fait longtemps. J'ai jamais fait de la campagne. J'ai décidé de commencer à ça ce soir. Mais c'est sûr que j'irai pas ramasser toute l'intel, tout le stock, mais. On va en faire le plus possible. Oups.
Bon, on est parti. Attendez-moi une petite 30 secondes, je vais juste faire quelque chose que j'ai pas fait. Je suis pas sûr que ça l'a sorti dans le stream, fait que je vais le réactiver. Et voilà, si vous l'aviez pas vu, maintenant vous pouvez le voir. On va aller se cacher un peu, donc ces jeux-là c'est toujours pas pire d'y aller sur par le flanc maintenant. Ouais, ok, peut-être pas finalement. Wow. Ok, ça avait sorti, j'étais pas sûr parce que. Oups. Parce qu'il faut que je. En tout cas, j'ai un autre programme qu'il faut que j'active habituellement pour que ça apparaisse. Mais tant mieux, ça avait marché du premier coup. Ça l'a. En tout cas, au moins, ça l'a mis mon nombre de followers à jour en même temps. Non, 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 je vais garder mon M16. Qu'est-ce qui était écrit ici? Ok, c'est juste parce que lui était là. Ouf, ça a fait mal ça. Ok, montons en haut un peu. Ah, une chance que j'ai pas mis ça à un niveau de difficulté plus élevé. J'aurais eu un peu de misère. Bon. Ici. Et ici. On va essayer de se protéger un peu là. Je peux pas glisser, c'est quoi cette affaire là? Oh, ok, ben c'était peut-être trop. On est reparti, ok. Bon, il semblait que je peux faire des glissades là-dedans. Tantôt j'étais allé là. Lui, c'est mort, il est mort. Lui, il l'est pas encore. Ok, j'aurais pu traverser en bas ici. Bon. Montons en haut. Ça. Non, c'est juste le gun que je peux prendre. Oh my god. Wow. Donc, pour ceux et celles qui viennent de joindre à nous ce soir, c'est la campagne de Call of Duty. Habituellement, je vais streamer du Cold War. Les dernières fois, j'ai surtout été en mode zombie. Ouais, mais ça. J'ai surtout été en mode zombie, mais je voulais essayer quelque chose de nouveau. Pour cette fois-ci. Ah, ok, c'est parce qu'il y a.
Alors, je comprends pourquoi j'avais explosé de même. Ouais, c'est ça. Je voudrais continuer à faire le mode zombie de temps en temps, mais je voulais essayer quelque chose de nouveau. Surtout parce que cette campagne-là, je n'avais entendu des bons mots, mais j'avais toujours pas commencé à jouer après quelques mois. Donc c'est ce que je fais. Bon. C'est ce que je fais pour commencer. Mais c'est certain. Oh, 77. Allons-y par là d'abord. Ils veulent tout aller par là. La 4, c'est Vienne Intel. Ok. Oups, non, mauvais ennemi. Ouch. Ok. Là on est plus ah shit. Ok. Ouch, ça a pas fait de bien ça. Truc, il a lancé une grenade. Les agents spéciaux russes là. Allons-y, on est allé là. Investigate the Soviet presence. Ouais, c'est ça, hein. C'est un peu louche. Like looking for a needle in a haystack. You hear that? It's on you, Bell. Open the door. Adler, we confirmed it. Soviets on site. You sure? Well, I'm staring at two bodies that sure as hell don't look Vietnamese to me. Bell, grab that comms log. Let's see who the fuck they've been talking to. Mission accomplished. We have the intel. Let's bug out. Good work. Hang on to that intel. We're coming in to pick you up. Dans les autres streams que je fais en dehors de Cold War, je vais streamer là. Je vais streamer un peu de Warzone. Puis le dernier stream du mois. Le dernier stream du mois, c'est toujours un stream rétro. Donc, j'ai joué à date à Super Mario, j'ai joué à Mario Kart. Ouch. Donc, avec des émulateurs ou des consoles rétro, là, c'est quelque chose que je veux continuer là, une fois par mois. Oh, ben, ça vient de. Il vient d'éclairer le passage un peu. Baltic Chopper, ok. Allons-y. Bon. C'est comme bloqué là. Ah, c'est moi qui fais ça en plus. Ascend. Descend, rocket.
Bon. Ok, j'ai réussi. J'étais pas certain d'avoir eu. Continuer. SC. On va aller. C'est pas si évident. Oups. On va remonter un peu. Attends, je m'en vais par là. J'imagine que tous les moyens sont bons pour se rendre. C'est passé. Bon, les trois là sont détruits. Provide air support. Quelle autre place là, défend? Ok, allons voir, il doit y avoir un autre coin, land. Ouf. C'est comme pas trop évident, hein? Toi, Mister, Mister ou Madame, j'aime Staples Forever. C'est-tu ton, c'est lequel ton Black Ops, excuse, ton Call of Duty préféré? C'est-tu Cold War? C'est-tu Black Ops 1, Black Ops 3, Modern Warfare? Moi, j'aime bien. Ben, j'ai commencé, j'ai découvert ça avec Black Ops 1. J'ai regardé un peu les deux autres. Puis j'aime vraiment, vraiment Cold War aussi.
Je suis mort? Ok, non, ça a continué. J'étais pas certain là. M60, oh, une arme lourde. Ça va faire la job. Peut-être falloir que je me cache un peu plus par exemple, hein, parce que sinon je survivrai pas à ça. Ouch. Ok. Still with us? Ok, c'est voulu. Napalm airstrike. You think we can call this a success, Sims? At least the nuke didn't go off. More importantly, we got intel on Perseus. Told you we had a job to do. It ain't done yet, not by a long way. J'imagine qu'on va revenir à notre tableau. Hi. Yeah. How did the memory exercise go? Well, to hear it from Adler, it's working. Bell remembered finding that encrypted intel in Vietnam and has almost finished decoding it. Anything useful in there? Some names, apparently. Possible leads. Park is trying to connect the dots. We don't have much time. Does the team know about our mishap in Berlin yet? No, but if it's connected to one of those names from Bell, they'll find out soon enough. You won't let that happen, Hudson. Don't say anything more than necessary. That's never been a problem for me. Oh, on est de retour. Anton Volkov. Anton. He's a Russian arms dealer working out of East Berlin. Admittedly, his connection to Perseus comes as a surprise. We've got killer capture orders on Volkov. So if we can't get to Perseus, we'll get to his men. Close off his resources, force him out of hiding. Mason and Woods are still wrapping up business in Kiev. Which means Volkov is ours. Gear up, and we'll move out. On dirait un métro. MI6 has been tracking Volkov for 7 years. It is my strong preference that we attempt to capture rather than kill him. He holds answers to a great many questions. Your preference has been noted, Agent Park. Bon, j'imagine qu'avec ça, on peut partir au prochain. Use evidence board. Side mission. On fera pas de... Je sais pas si... Red Circus. Chaos. On les fera pas, on va passer directement à la prochaine mission. Breaking the wall. East Berlin. Ressemble à ça. Franz Krauss. Mon dieu. Surveillance, 11h30, Bergstrauss. Blueprint de son appartement. Un homme à quatre tranquillisant.
Ok, donc le but est pas de le tuer, mais d'essayer de le capturer. Et c'est reparti pour la prochaine mission. Connections to cartels throughout Europe and the Americas. Neutralizing him will not only hurt Perseus, but the global syndicate. He's a big fish. And here's our little fish, Franz Krauss. According to MI6, he's one of Volkov's information couriers. He has a drop with Volkov scheduled for tomorrow night. We'll infiltrate East Berlin via the U-Bahn. The ghost station on the other side of the wall has the access point we need. From there, we'll watch Krauss as he enters the city. Once Volkov shows his face, it's kill or capture. Bon, j'imagine qu'on va essayer de le capturer plutôt que de le tuer. Ça pourrait être une bonne alternative. Je présume qu'il faut les suivre. Identifier Franz Krauss. Bon, c'est pas comme si on avait le choix. Careful. East German guards still patrol these abandoned stations. Follow 1911. Ce train là. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Clairement pas. On va recommencer. Non, je voulais... Bon. Juste revenir là pour pouvoir utiliser comme j'étais supposé le faire. Bon. Ça s'est terminé pour lui de la même manière que tantôt, là, mais... Coudonc. Je vais... Ouais. Mais je vais garder... Oups.
Allons-y. Donc pour ceux et celles qui sont joints à nous, ce soir, on fait la campagne solo. On fait la campagne solo de Cold War. J'ai jamais fait avant. Habituellement, c'est plus du zombie que je fais. Puis on se fait un stream rétro par... mois. Mais là, on y va avec ça aujourd'hui. C'est Drop Body. Ça fait changement. Crowd should be coming through the checkpoint soon. Let's get to the rooftop. Mark, Lazar, we're almost in position. Copy that. Come on, this way. Be careful of the spotlight. Oh, ben, je vais juste le suivre, puis... Effectivement. Keep an eye on that checkpoint. Krause will be coming through anytime. Look for Krause with your camera. Camera. Oh. Un peu. Near the checkpoint. Man with the briefcase. Is that him? Wait. Easy job, that's our man. That's Krause. Effectivement, c'est lui. Follow, bon. Si je m'en vais par là, pourquoi on irait pas par là? Bon, ok d'abord. Park, Krause just crossed the wall. What's your status? Lazar and I are at the exfil point, awaiting your arrival. Roger that. Checkpoint. Fait qu'on y va tranquillement. Donc j'imagine que je pourrais me promener un peu partout, mais... Ok, peut-être pas un peu partout finalement. Passons à la mission principale. Blue Umbrella. Ah ah, ok, ouais. Rouge. Ah, ici. Allons voir. Ok, il a l'air... Assoyons-nous ici, dans ce cas-là. Non, c'est vrai, on a passé à côté, on l'a même pas vu. Berliner Weiss. Boîte de courrier are in large number tonight. Allons-y avec un. Toutes les faire.
Kamikaze, so don't let his wholesome appearance fool you. The man is a killer. Et on peut finir avec ça. Ah, peut-être une petite mission de sa side mission. Optional, rescue or silence the informant. Bah. Dankeschön. Oups, je pense que ça va barder. Okay. Team, new plan. Meet outside Krause's apartment. He's still our ticket to Volkov. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, vous pensez? Je reste là-dedans? Je ressors? Je sais qu'il me demande de sortir. Ah, la fenêtre! Climb. Chance qu'ils m'ont laissé un peu de temps. Stay down to avoid detection. The gun is flashing red and the meter is full. You, Lazar. Rotate. Ok, je suis loin d'être un expert là-dedans. Oh, ok. Careful, Bell. The Stasi are everywhere. Ah, je peux pas rentrer là. Ah, c'est là, faut que je passe là. Hein? Ok, d'abord, je pense que j'ai pas d'autre option. Un coup de couteau. On va le dropper dans un coin là. Ça y est, déjà un peu plus caché. Bon. Il est où le informant là? German mail. Ah, là. Ok, c'est pas là, faut que j'aille. Open. To tag enemies. Thank you.
Meet Lazar. Informant. Ok, c'est peut-être pas ce que je voulais finalement. Je vais attendre qu'ils se présentent jusqu'ici là. Ah, puis les deux se sont sauvés. Ils sont tous cachés. Ok, je comprends là. Moi, j'essaie d'être silencieux là. Par là, l'informant. Ah, j'aurais pu passer. Bon, ben coudonc. J'aurais clairement pu passer sur le côté ici. On va se savoir une prochaine fois, ça a l'air. Qu'est-ce qu'ils font? Secure the area. Pourquoi personne s'aperçoit que je suis là? C'est un peu étrange, je sais pas trop ce qui se passe, mais bon. Lalo will be in touch. What did the paper say? You can't trust these people. I don't even know what you're talking about. Please, just let me return to my children. Thank you for saving my life. I'll be there to meet. J'espère que j'ai fait une bonne chose. Les autres sont encore cachés là. J'aurais clairement pu agir en stealth beaucoup plus que je l'ai fait là. Un moment donné, mais que je les ai tous tués, on va arrêter de me faire tirer dessus. Okay.
Aïe aïe. Où ça, bon? Je t'avais aidé à plus avoir de balles en plus. C'est vraiment pas idéal comme situation. Ça peut là. Surtout pas, je le manque. Ok, d'abord. Ouais, ça n'aurait pas rapport. Ok, c'est clairement pas celui-là qu'il fallait que j'aille chercher. Meet Lazar. Ah, j'aurais tellement pu faire le tour de tout ça. Oh mon dieu. Ça là, c'est le genre de choses qui me donne envie de recommencer à zéro, mais on va poursuivre. Ah, effectivement, c'était pas mon meilleur low profile, ça. Donc j'avais pogné juste deux nobody. Puis ceux-là qu'il fallait que je tag, c'était juste les policiers. Voyons, un compte qui me bloque. Si je monte quelque part, sûrement. Bon. Ok, j'ai serré ma caméra. Parfait, allons-y. Open. Hop, je suis tout seul à y aller.
Bell, I saw Krauss writing in the ledger. See if you can find it. Bell, you need to go to Krauss's apartment. C'est lequel? Bon. C'est facile à dire. Faut que je me rende jusqu'à son appartement. Ich weiß, dass Ihre Freundin nicht hier ist. Entweder hat sie Ihnen eine falsche Nummer gegeben oder Sie haben sich verschrieben. Natürlich. Ihnen auch. Okay, bon, ben c'est clairement pas ici. On va aller chercher ailleurs, là, voir si on peut pas trouver la valise. Là, c'est parce que là. Je l'ai entendu parler au téléphone. Il n'y a rien d'autre non plus. Ah, ok, bon. C'était la personne qu'il fallait pas que je rencontre. Ah, ça c'est ça. Bon, je pense que celle-là va être un peu plus dure que prévu. Allô? Tut mir leid. Edda, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Ja, Franz, er ist hier im Wohnzimmer. Ich lege ihn neben die Tür. Mama, ich schicke meine Decke. Ich bin in ein paar Minuten oben, Wilhelm. Comment ça l'enfant? Faut juste que je trouve ça. Est-ce qu'une chose est sûre, c'est que c'est pas ici. Fait que là, elle est là.
Bon, je pense qu'on va le faire en plusieurs. Il y a quelque chose qui avait un petit cercle jaune. Oh, light. C'est ça qui me manquait. Plant tracking device. Bon. Allons-y, c'est stressant là. Exit Krause apartment. What? Hey, c'est la fille de tantôt ça? Oups. Pas sûr si c'était prévu, mais bon, c'est arrivé. On va voir. S'ils me font recommencer, ça fait. S'ils me font recommencer, ça faisait pas partie de l'histoire. Bon, ok, peut-être que ça faisait partie de. Ah oh ben, sacrement. J'aurais dû l'éliminer. Fait que peut-être que la fin est différente. Je dirais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, mais c'est ça. C'est le début de la. C'est le début de. Voyons. Black Ops 1. Unfortunately for you, it seems these friends of yours have other places to be, comrade. Bon, ça, c'est ce que tu penses. Bon, on va se préparer, sûrement qu'il va y avoir un F à faire. Je peux pas encore bouger. Fait que si on avait tué l'autre, on aurait peut-être réussi à sortir. La fin aurait été différente, ça veut dire. Fait que c'est bon ce jeu-là, ça veut dire. Qu'il y a plusieurs. Qu'il y a plusieurs fins. Oh. Combien, coudonc? Attends, ça va pas plus loin que ça. Je pensais que ça se rendait. Bon. Ouais, c'est ça que j'essaie, mais c'est ça que j'essaie de faire. Qu'est-ce que vous pensez?
pour ma première flashbang. Une stun grenade, les amis. J'ai eu pitié, j'ai eu trop pitié. Là, à date, j'ai pas exécuté personne. Le premier, j'ai pas exécuté. L'agent, j'ai pas exécuté. Lui, il est capturé. Ça m'a pas très bien servi, par contre. Là. J'ai été trahi, mais bon. L'information de Volkov confirme leurs pires fears. Perseus a smuggled un device nucléaire dans l'Est Berlin. Nous ne pouvons pas être sûrs de ça. Il a ça, je suis sûr de ça. Nous avons trouvé encrypted géocoordinates avec Volkov's nucléaire intel. An unpopulated region within the Soviet Republic of Ukraine. An aerial recon run revealed this. I want to know everything that's going on. Puis à date, comment vous trouvez ça, cette campagne-là? C'est-tu quelque chose que vous aimez? Vous pouvez mettre vos réponses dans le chat. Mason and I will be standing by for an extract. Park will handle comms. We have no idea how large or prepared their forces will be, so use discretion if you have to engage. It's time we took a peek behind the Iron Curtain. Ouais, effectivement, moi, ça brasse pas mal, là. J'ai de la misère à voir des fois où ce que les ennemis sont. Bon, une petite machette. Un tomahawk. Moi, j'aime bien ça. Pour vrai, j'aime les différentes possibilités qu'on a. Puis, tu sais, c'est pas juste les campagnes de ces jeux-là, des Black Ops, là, c'est pas nécessairement de juste rentrer dans le tas puis de tirer tout le monde. Là. Il y a aussi une partie plus couverture, là, secret, puis s'infiltrer, là. What? Right. Time to get our hands dirty. I'm seeing guards. I am. Choose your target. Un peu, là. Photo ops over. OK, d'abord, OK. 911, non, on va y aller avec un Type 63. Lequel qu'on descend en premier, je vais y aller avec lui, tiens. Oh, mais. T'en descends-tu ou tu fais exp? Les autres jeux, c'est moi j'en descends un, puis lui il descend toutes les autres. Mais là, faut croire que c'est pas arrivé. Ouh. Poc, poc. Bon, ok. Ouais. Gather intel. Ça, le pick lock aussi, c'est pas évident. Hein. Ok, faut une carte d'accès. Ah, j'ai pas pu lancer ma hachette. J'étais un peu déçu.
Je sais pas, non, je peux pas rentrer là-dedans non plus. Ok, bon, on niaisera pas trop avec ça. Je peux pas traîner. Oui, je peux traîner le corps. On va le cacher au moins. Ça, ça fait penser un peu au jeu Hitman Tueur à gage. Ça, c'est un autre jeu que j'ai bien aimé aussi. Ok, ça, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Il doit y avoir une carte. Ah, puis si je fais. Attendez un peu. Ok, non, il n'y a pas de carte. Find another way around. Je pourrais te tuer de manière silencieuse. Ah, je pourrais y lancer la hachette. Ah, j'attends qu'il revienne droit. Bon, c'est un peu gore. Mais bon, je voulais l'essayer au moins une fois. Allons voir ici. Je peux-tu monter par là, moi, non? Y'a-t-il un autre ennemi là? L'hélicoptère qui a l'air bien bien équipé, mettons. On va arrêter de niaiser avec ça. On va se rendre. Essayer de se rendre sans alerter toute la base. On va se laisser un petit peu de temps. Ok, faut que je me rende jusque là. Bon, je prendrai pas de chance. Je vais garder mes balles. Parce que j'en ai pas beaucoup dans mon pistolet. Sérieux, il me regarde direct là, je sais plus comment je vais faire ça. Ouh là 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 là. Wow, je suis fier de moi. Ok, je tarderai pas. Saving. Pourquoi qu'il y a un tank qui patrouille là? Je peux pas rentrer là. Oh non! Ouais, effectivement. Don't engage heavy armored section. Ben, c'est ça que j'ai essayé de faire, mes amis. Je sais pas si c'est assez. Ok, ça a été assez. Sérieusement, là, 4 picklocks.
J'ai le temps de me faire tuer 25 fois. Ouais, c'est ça que je dis. Ouch. Bon, j'imagine que c'est ce qu'il fallait faire. En tout cas. Diamati, ouais. Bon. On va ramasser les balles. Waywoods. Il est déjà rendu si loin. Engage on your mark. Bon, ça, ça veut dire qu'il faut que j'en tire un. Ben, en fait, plus qu'un. Le nombre que je veux. 1, 2, 3. Ça passe-tu ici? Non. Inobjective area. Ça, ça doit être de prendre des photos. Ah, ok. C'est surtout pas écrit dessus. C'est quand c'est trop évident, là. Mais oui, mais à deux, comme dans tout bon Black Ops, à deux, on va les battre. Ah, puis lui, il a la keycard. Non. Not a fucking word, Bill. Ça, c'est excellent. Ça, c'est une des cartes qu'on peut jouer en multijoueur. Ça, c'est un très mauvais signe. Take the photo of the main street. Krieg 6, c'est un bon gun. Bon, je pense que c'est là qu'on va commencer à tirer. Ça déjà dessus, là? Advance. Bon, si Woods l'a dit. Oh, frags. Ah, j'aime mieux les tomahawks. Ouais, j'aime mieux les tomahawks. Eh ben, lui, il a passé une mauvaise journée, hein? Pauvre petit bonhomme.
Ben là, je me ferais pas chier avec ça. Ouch. Voyons. Ouais. On va les viser, moi, leur cible. Hey. Exorcisme. Ah, tiens, là, il a fini par tomber. Bon, qui c'est qui me tire dessus encore? Woods, il doit être en bas, Falcon. Qu'est-ce qu'il fait? Je vois quelque chose se promener, ouais, c'est ça. Ah, le petit flash qu'on a eu, ça, il y a ça dans le jeu quand quelqu'un tire vers nous. Bon, ça lance des grenades en plus. Je suis pas mal sûr qu'il y aurait un objectif si on atteint toutes les cibles dans le parcours. Mais c'est pas ça mon but, fait que je vais avancer un peu. Ah, Woods est là. Russian vehicle, what? Bon, peut-être que je me mette à couvert un peu, hein. À quelle place? Cover me, c'est Wood, ça? Ouais, ça a l'air que c'est lui. Non, c'est pas lui. Bon. Burger Town. Ça, c'est parfait. Ça date d'un ancien jeu. Ben, un ancien. Ça date de Black Ops 2, en fait. Cover me, y'a pas un chat. Take point, toi, mais y'a personne qui tire. Je veux dire, la place elle est clean. Es-tu vraiment plus haut là? Non. Allons-y. Deux ordinateurs qui se tirent dessus. Ça n'a pas de l'air facile, hein? On va avancer un peu. Woods, je pense que c'est pas mal un de mes préférés. Bon, il est là. Puis il doit en rester un là, probablement. Ouais. Tiens. Firing range, yes, je l'ai tout eu. Ouch. Ouch. Ça, ça a pas fait de bien. On the rooftops. Ok. Bon, il a tiré une grenade. Et ce qui est pas gentil. Ok. Bon, allons-y, on va avancer un peu plus loin. Burger Town.
Ça y apprendra. Il suffit de crever en essayant de le prendre pour un riot shield. In objective area. Ah ouais, qu'est-ce qu'il faut que je prenne en photo, les amis? Ah, ça ici. Ouais, ouais, j'y vais, j'y vais. Je vais juste un petit safari photo en attendant. Ouch. On se calme là. Bon. Head control tower. Ok là. Allons-y, allons-y. J'ai pas le choix, hein. C'est quoi ça? Krieg 6, saving, hour sunset, c'est le fun, mais c'est pas ça que je veux. Wow. Bon, je peux dessus. What? What the heck is that? Mais c'était quoi ce gars-là en armure? C'était vraiment étrange. Oups. Oh, c'est Woods. On aurait dit un genre de Juggernaut version. Un genre d'habit anti-déminage. Là. Ah. Frags, non merci. M16, ça va être correct. Bon ben allons prendre l'ascenseur. On aurait dû une sorte d'habit de déminage, mais années 80. Ouch. C'est quoi le niaisage là? Bon. La fameuse porte avec des cartes. Ok, là. Interact. Oui. What? Je peux-tu cliquer quelque part? KGB update. Ah, ok. Operation Greenlight. What the fuck is Operation Greenlight? C'est ça que je me demande aussi. C'est ça qu'on se le demande tous. Hack into that. Enter password. Of course there's a password. Look around. These Reds ain't that smart. Maybe there's something on the desk. Stalin's birthday. Brezhnev. Abandonner une méthode d'écrire son mot de passe à côté de l'ordinateur. On voit que ça date pas d'hier. We confirmed it. The nuke smuggled out of Berlin is a green light asset. It's one of ours. If that gets out, no one will know. Not even Adler's team. The stakes are too high. High is an understatement. We're talking about an American nuke in beneath Berlin. C'est un peu louche. I want to make sure you're committed, Hudson. The play's been called. The ball's in motion. Well,
Je pense qu'on est en train de se faire piéger. Perseus. Bon, on va faire un petit peu. Ouais, je pense qu'il n'y a pas juste Hudson qui le sait. On autorise access. Ah ouais, putain. On a le temps, on a sûrement le temps pour une petite photo. C'est ce qu'on va essayer de faire, hein, Madame Park. Eh boy. Ouais, on va essayer. En fait, moi, juste suivre Woods. Effectivement. On trouvera de l'intel une autre fois, je pense. Ben. Allons-y. Oh, ouch. Oups. Bon, on va utiliser notre position en hauteur. Bon, il est en hauteur lui aussi. Ouch. Ouch. Bon, avec tout ça, il va falloir que j'avance un peu. Ah, tiens, 3. Allons-y. Voilà un peu. Ok, c'est bon. Ouais, parce que ça va chauffer. Saving, bon, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est parce qu'il va falloir se débarrasser de cette affaire-là, à un moment donné. Frags, non, merci. Flashbang, j'en ai déjà. Open door. Commence à avoir de l'action. Ouch, 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 ouch. Bon, on va se donner une chance. Ouais, ben c'est ça que j'essaye de faire. Pisser la tête, mais. Non. Ah, c'est encore cette affaire-là. Vous pouvez même tirer dessus sans relâche. Bon. Voyons voir. RPD, ouch, ouch.
Et sérieusement, ils sont gossants ceux-là. Ok. Faut croire que... Aïe aïe, ouch. Bon. Mon tomahawk. On va faire un peu de ménage là avant d'arriver à l'autre là. Qui gosse. Je sais pas où là. Genre là, là. Bon, ok. Il y en aura pas de facile, hein? Ouf. Objective area. Il me semble que j'ai vu ça là. Tant qu'à être là, on va poursuivre notre rallye photo. Get me cover. Oh non! On va attendre un peu là, survivre. Ok. Il est où là? Chaud qu'il est pas mort. Mmh. Voyons, je peux te sortir de là, merci. Juste vérifier que mes photos. Que ça, ça avait été. Ouais, ok. Bon, là, faut pas que je tire une balle dans la tête de Wood cette fois-ci. Ok, ça, c'est pas Wood. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oh là là. Ok. Je sais pas trop d'où est-ce qu'il a débarqué, mais bon. On va faire ça clean. On va essayer de le finir une fois pour toutes, là. Bon, je pense qu'il est mort. Ok. Aïe, aïe, ok. Ouf. On va essayer de le replacer. Je suis pas tant de balles que ça, c'est ça le problème. J'en ai une meilleure pas super. Le silence, on va laisser faire pour aujourd'hui. Bon. Inter et PC turret. Ok, d'abord, allons-y avec ça. Bon, oups, on va s'occuper de lui, tiens. On va juste continuer à tirer. Ça compliquera pas la vie. Ok, je pense qu'il fallait tirer les tanks avant de sortir. Seulement. Bon, on a réussi à traverser, je pense. Je sais pas trop comment. Red light, green light. Yes, sir, I'm on it. Oh, je pense que ça va barder. On va regarder ça. You knew the nuke
was from Greenlight. Didn't tell us. What else are you hiding? Maybe I can knock the truth out of you. You might want to rethink that, Woods. Everybody stand down. This little pissing match isn't gonna help us catch Perseus. Why didn't you tell us it was an American nuke? He needed us to clean up his mess. The bastard's been lying to us all along. It's not a lie. It's an omission of fact. That's what you do best, isn't it, Hudson? Manipulate people. Tell them your own version of the truth. There is no truth. Only who you choose to believe. Adler knows all about that. Don't you, Russ? Operation Greenlight. What is it? Tell us everything. Back in 58, the arms race was in full swing. Eisenhower was convinced if the Reds moved on Europe, we couldn't respond quick enough. So he authorized Operation Greenlight, a top secret program that placed nuclear bombs in every major European city. The ultimate countermeasure to a Soviet invasion. 74, the bombs were upgraded to high-yield neutron bombs, capable of terminating personnel without damaging infrastructure. Thousands dying in a flash. You're talking about fucking infrastructure. How's that for civilized? We kill the people but preserve the buildings. We're trying to preserve our way of life. How long have you known about the missing nuke? One of the Greenlight nukes went offline 8 weeks ago. We suspected it was Perseus, but couldn't confirm it. So we saw the photos you brought back from East Berlin. So, there's an American-made nuke in the wild. And once Perseus detonates it, the United States becomes global enemy number one. We wouldn't have this problem if you'd done your job. Killed Perseus in Vietnam. Careful, Hudson. Next time, I might not stop Woods. Ouh là là. We need to know what Perseus is planning for that nuke. Park, anything else in that printout Bell and Woods pulled from the base? There's mention of an excavation taking place in the Ural Mountains, Yamantau. Our insider within the KGB confirmed an active operation. Yamantau. I thought Hudson and Weaver buried that place years ago. We did. Perseus wants to salvage the old mainframe. Dragovich and Steiner must have left some good shit behind. Steiner. Send me in Woods. You're too close to this, Mason. We can afford zero fuck-ups. Bon, ça, c'est des extraits de Black Ops 1. I want Mason and Woods on this. Find that mainframe before Perseus does. I'll contact our KGB insider, Belikov. He'll offer logistical support. Hell, Belikov may want to fly the chopper himself. Belikov. I wanted more. Ok, je pensais qu'on retournerait au board, mais... The first building is just over that ridge. Je peux-tu faire ça? Ouais, donc ce qu'on va faire, on va quitter ça. Thanks, Dimitri. We'll radio. We found the mainframe. Woods, you know what the KGB does to double agents. Yep. Da. If they win this season, it's almost worth facing the fighting squad. Hey, I've only 1 hour of fuel. So after that, you find yourself a new ride. Come on. Let's get moving, Mason. Bon, on va laisser ça là. Wow! Je suis agréablement surpris de cette campagne-là. Donc, on va laisser ça aller pour aujourd'hui. On va certainement continuer ça la semaine prochaine, le mercredi prochain. On va y aller avec ça, c'est certain. Donc, je vais y aller. J'ai complètement oublié le cocktail de la semaine. Allons-y avec ça. Le cocktail de la semaine prochaine, c'est un cocktail qui s'appelle le Caipirinha. Donc, c'est le cocktail national brésilien. Donc, demain, vous pourrez voir une petite photo
une petite photo sur Instagram, mais vendredi sur YouTube, la vidéo va sortir. En même temps, en préparation, il y a le premier vidéo de cuisine moléculaire. Donc, on a concocté ça en fin de semaine. Le montage est presque terminé. Donc ça suivra pas nécessairement les cocktails. Là, quand ils vont être prêts, ils vont sortir tout simplement. Donc, un gros merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir. J'espère que vous avez bien aimé le stream. Si vous avez aimé ça, soyez là la semaine prochaine parce qu'on va continuer la campagne puis peut-être la terminer. J'ai aucune idée où est-ce qu'on est rendu, mais on va continuer d'avancer ça la semaine prochaine. Donc, sur ce, bonne fin de soirée à tout le monde. Bye bye.